prendre. Y'a un crocodile. Il est en train de me charger. Il me charge. Mais t'es sérieux? J'ai les deux en même temps. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Bonjour, bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu très spécial. Et je suis très content de faire ce live aujourd'hui. Il faut que je vous raconte comment j'ai trouvé ce jeu. Et je vais vous raconter ce que c'est, ce jeu. C'est un jeu où tu joues il y a 10 millions d'années. Il y a très longtemps, quoi. C'est un jeu qui a été développé, enfin, qui a été créé par le créateur des Assassin's Creed. Donc, c'est un peu la même mécanique. T'escalades des arbres et tout. Enfin, c'est. Ouais, t'escalades des trucs, mais c'est pas des bâtiments comme Assassin's Creed, tu vois, c'est les arbres. Du coup, t'es un singe avec ton groupe de singes. Voilà, je connais pas plus, j'ai pas encore lancé le jeu, donc on va découvrir ensemble. Et on va faire ça maintenant tout de suite. Nouvelle lignée. Comment on l'appelle notre lignée, les gars? Comment on l'appelle notre lignée? La famille Timberlake. Saucisse. Les Alexiens. Vas-y, je vais mettre les Alexiens. C'est bon, c'est parti. Il est fou ce jeu parce que ça, c'est vraiment le début de l'espèce humaine et tout. Et genre, c'est grave stylé. Pourrais-tu faire mes devoirs? Non, non. D'ailleurs, la rentrée, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts? C'est dans une semaine. Eh, continuez de regarder mes vidéos pendant la rentrée. Ça vous fera du bien au moral. C'est quoi ça? C'est le Big Bang? Bien, comme je vous le disais, ce drogué, c'est ah, ça m'étonnerait qu'il y ait des poissons dans l'espace. Ça, c'est pas le Big Bang, ça. Ah, regardez, Afrique, il y a 10 millions d'années. Il est fou ce jeu, vraiment, il est fou! C'est fou, putain, j'ai trop envie de jouer. Avec toi, ils pourront pas évoluer, ils vont rester cons avec moi. Ça va être la pire espèce humaine. Ils vont pas aller loin avec Alex. Et attendez, oh! Pas aller loin avec Alex. Ah, retournez à l'abri dans votre cachette. Alors ça, j'ai vu avant, j'ai regardé une vidéo d'un développeur, ça représente, vous savez, les petits cris là, ça représente la peur. C'est la peur de l'inconnu, c'est ça. Voilà, on peut grimper dans les arbres et tout, c'est fou. Bon, apparemment c'est par là-bas, je vais aller voir. Alors par contre, j'espère qu'on peut pas crever, hein. N'importe comment. Attends. Regardez là, c'est les autres membres de mon clan, ça. Ouais, c'est les autres membres du clan. C'est-à-dire que le clan, il est là-bas. Ah, tu vois, c'est ça. C'est ce que je vous disais, c'est la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que comme là, ça s'est enlevé, ça veut dire qu'il il connaît l'endroit. C'est fou, la mécanique du jeu, comment elle a été faite. Hein. Et ce qui est fou aussi, c'est que notre camp, si on reste trop longtemps, il n'y aura plus de ressources. Il va falloir qu'on bouge chercher un autre camp. Et ça, c'est fou. Quoi, il y a un jeu sur sa famille? Comment ça? Oh, les bâtards. Oh, les bâtards sur le chat. Oh, les gars, vous êtes où, là? Je les entends, je les entends. Mais oui, je suis con, ils sont là, regardez. Hop là, plongeons. Voilà, ils sont là. C'est ma famille. Ils sont là, ma famille. Ça manque un petit peu de dialogue. Hein. Là, on est en jour 2, année 0. Il y a 10 millions d'années, hein, d'accord. Il y en a qui me disent, ah, mais dans 2019, ils seront intelligents. Non. Oh non. Il n'y a pas d'objectif vraiment dans le jeu. Ce qu'il faut faire, c'est survivre. Et il faut faire évoluer son camp. C'est fou. Il paraît que dans 10 minutes, il m'aurait arrêté là. Bon, en gros, t'as un camp et tu dois le faire évoluer. Quoi. C'est un peu ça le délire. Portez le bébé. Oh, c'est génial! Genre là où il y a un truc là. La jungle. Oh. J'ai découvert la jungle. Refuge de la cascade cachée. Ça, c'est notre camp. C'est quoi ça? C'est un truc mort. Attendez, je vais aller voir. Oh, c'est. C'est un mec de mon espèce ça. Il s'appelle Winnie. Je vais le manger, hein. Et je suis pas censé nourrir le petit derrière aussi là. Je crois qu'il faut que je le fasse dormir. Ouais, je suis obligé de dormir, sinon il va crever. C'est bon là, on peut dormir. Du coup, le temps il passe plus vite, vous avez vu, roux? Ça passe beaucoup plus vite. Si on se fait pas bouffer. Ok, d'accord. C'est moi qui a fait ça. Wouah. Oh, c'était tendu, j'ai cru que j'allais crever. Ah, par contre, ça, c'est des marécages. Hein. C'est des marécages, ça. J'ai entendu un... Ah, y a un animal, là-bas. D'accord, bon, on va aller à l'objectif, on va laisser l'animal pour l'instant. Sable mouvant, crocodile. Ouais, mais je pense qu'il y a un crocodile. Attraper les feuillages, les plantes, grimpant. Je pense qu'il y a un crocodile. Ah, je viens de comprendre. Y a un crocodile. Comment je me bats? Comment je me bats? Amorcer l'esquive. Ah ouais, là j'ai esquivé là.
Ah, j'ai bien esquivé là. Ça, ouais, bah je viens de voir ma jauge en bas. Ah. Oh merde! Quand il y a quelqu'un de ton espèce qui meurt. Ah, il est mort définitivement, regardez, je l'ai perdu. Ah, attendez, mais... Ah, mais du coup, le gamin, il est mort avec. Comment on dit ça, là? Il faut la faire évoluer. Ah, oh, bah lui, il va crever aussi rapidement. Voilà. Oh, putain. Je suis le pire macaque. Il s'est fracassé. Ah, bah, mon espèce va pas... Les Alexiens, ils vont pas rester longtemps vivants, hein. Putain, mais ils veulent tous me buter, là, ou quoi? Il est en train de me charger. Il me charge. Mais t'es sérieux? Ouais, ok, putain, j'ai eu de la chance, hein. Je crois que ça peut se manger, ça. Vu la gueule du truc, c'est grave possible. Ah non, c'est un outil. Je dois ramener ça au camp. Je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais? Oh, les gars, j'ai ramené des feuilles. Putain, si tu te balades avec un gosse, il va apprendre des trucs. Bah ouais, bah, il a appris que faut pas aller dans les marécages avant, puisqu'il est mort. En fait, mais tu sais quoi, je vais le faire dormir, tant pis s'il apprend, parce que là, il m'a l'air pas bien, mon singe. Ouais, mais fais dodo. Et fais pas chier, là. Bon, maintenant, je vais aller chercher le Bobby, là. Qui est soi-disant, je crois, mort. Bon, cette fois-ci, on tombe pas. C'est trop bien, tu peux te promener vraiment. Ah, c'est trop génial la façon de se promener dans le jeu. Attends, je vais essayer un truc. Putain, j'ai vraiment eu de la chance, hein. Oh les gars, on est au marécage. Alors, je vais manger un truc avant. Bon alors. Intimider. Ah, je peux intimider. Quel est l'intérêt de faire ça là maintenant? Vous êtes sûr que je vais le retrouver, le gamin là? Moi, je pars du principe qu'il est plus là, hein. C'est... Ah, c'est le gamin là, c'est le gamin. C'est notre objectif. Oh putain, je vais le chercher. Par contre, j'entends un bruit là. Oh, il est là, regardez. Il y a le crocodile à côté. Comment je fais là? Mais je fais quoi? Si je vais là-bas, il va manger mon autre singe, hein. Il m'a vu, il va me manger. Putain. Enfin, je cherche, c'est une blague ou quoi? Oh putain, il est passé dans l'eau, je viens de le voir passer. Ouais, mais. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi tu fais ça? Esquivez les attaques, maintenez. Mais putain, mais t'es sérieux? Mais j'ai même pas compris pourquoi il a couru. Non mais attends, j'étais planqué et il a couru sur le singe. Mais je suis pas con, mais non, mais... Oh, attends, je réessaye une dernière fois, sinon il va se faire foutre le petit, il a qu'à crever, hein. Parce que là, c'est mon deuxième singe qui crève pour un mioche, là. Du coup, mon espèce est morte en 4 jours. Marécage, ils sont là. Mais regardez, il court de nouveau. Mais c'est un peu heureux lui, hein. C'est pire que les autres, hein. Oh putain, il y a encore ce truc là. Regardez ça, il grimpe tout seul. Ah bah il a tellement peur qu'il s'est coincé dans l'arbre. Les gars, je vais quitter ce jeu. Je vais essayer en solo plus tard parce que là, vraiment, j'ai pas compris. Il est bien, mais il est complexe.